Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo autobernard.com. Je suis ravie de passer ces quelques minutes avec vous. Je me présente, Émilie, conseillère commerciale Renault à Romans. Je vais aujourd'hui vous présenter la nouvelle Zoé et sa batterie Z250. Véhicule leader de sa catégorie, la nouvelle Renault Zoé est 100% made in France. Avec une autonomie allant jusqu'à 395 km en normes WLTP, elle s'affiche dans la mobilité électrique. Avec son nouveau moteur R135, embarqué pour une expérience de conduite qui allie dynamisme et sérénité, vous pourrez vous déplacer sans bruit, où vous le voulez et quand vous le désirez. Avec sa nouvelle signature visuelle, la nouvelle Zoé est en rupture complète avec l'ancienne phase. Nous retrouvons ici un capot plus élargi, des lignes de capot plus marquées qui lui donnent un aspect de robustesse, de dynamisme, une calandre chromée, une trappe de recharge bordée de bleu qui se positionne au milieu du véhicule. Ensuite, nous retrouvons pour une dernière touche d'élégance des projecteurs anti-brouillard avec des répétiteurs de clignotants dans les rétroviseurs. La nouvelle Zoé existe uniquement en 5 portes. Ici, vous retrouvez la poignée de porte dissimulée qui lui donne un aspect de coupé, très joli sur le véhicule. Petite anecdote, vous retrouverez l'empreinte ici du designer de la nouvelle Zoé. Vue de dos, la Zoé séduit par sa modernité. Vous retrouvez ici les clignotants animés qui vont donner un sentiment de robustesse en élargissant la carrosserie. Sur cette finition intense, vous retrouverez ici les radars de recul, ainsi que la caméra de recul qui est positionnée en dessous du logo Renault. À quelques millimètres près, la nouvelle Zoé ne change pas en termes de dimension. Elle mesure 4,08 m en longueur pour 1,56 m en hauteur et 1,78 m en largeur. Du côté de la charge utile, la nouvelle Zoé vous offre un coffre assez large pour sa catégorie, de 425 à 486 litres. À noter, la Zoé n'offre toujours pas de solution pour tracter. La nouvelle Zoé se limite à deux moteurs électriques, le R110, issu de l'ancienne génération de la Zoé, qui développe jusqu'à 80 kW de puissance et 225 Nm de couple. C'est un moteur sobre, avec des performances intéressantes, qui préserve l'autonomie de votre batterie. Ici, le R135 se distingue par rapport au R110 par des vitesses de pointe un petit peu plus importantes. Celui-ci va jusqu'à 145 km/h et des meilleures performances en termes de reprise. La nouvelle Zoé existe en 9 teintes. Ici, vous retrouvez le bleu céladon, c'est une couleur métallisée. 3 tailles de jantes sont disponibles, dont des jantes en aluminium en 16 et 17 pouces. Voici par exemple sur le modèle intense, en option le modèle 17 pouces. Toutes les Zoé sont équipées de l'accès carte main libre. Il vous suffit d'avoir la carte dans la poche, vous vous approchez du véhicule, le véhicule va vous détecter en ouvrant d'abord les rétroviseurs électriques. On ouvre le véhicule directement, on s'installe et une seule impulsion vous permettra de démarrer le moteur. La nouvelle Zoé est en rupture complète avec l'ancien modèle, avec des matériaux plus nobles. Un tissu 100% recyclé que vous retrouvez sur la planche de bord, sur les sièges et sur les panneaux de porte. Vous avez une nouveauté supplémentaire, l'écran tactile personnalisable en 10 pouces. Sur cette version intense, vous retrouvez la tablette en format portrait de 9,3 pouces, une tablette très facile d'utilisation avec une connexion automatique. Les mises à jour sont elles-mêmes automatiques et gratuites pendant 3 ans. Ensuite, ici, on a une commande de climatisation plus ergonomique et intuitive. Le nouveau levier de vitesse e-shifter, plus de frein à main sur la Zoé. Nous avons un frein de parking électrique qui se met et s'enlève automatiquement dès que vous entrez dans le véhicule et que vous en sortez. La Zoé bénéficie d'une offre très large en termes de nouvelles technologies et d'aide à la conduite. Nous avons par exemple l'aide au franchissement de ligne, l'alerte au maintien de voie, le radar avant, le radar arrière, la caméra de recul. Vous pouvez régler toutes les aides à la conduite avec notamment la signalisation des panneaux en temps direct, la sortie de voie. Donc dès que vous franchissez la ligne sans mettre le clignotant, le volant va d'abord vibrer et ensuite le véhicule va vous remettre directement dans l'axe. On a ensuite l'alerte angle mort. Dès qu'une voiture va vous doubler dans votre angle mort, vous allez avoir directement la pastille orange qui va s'allumer sur le rétroviseur. L'Easy Park Assist, c'est le fait de stationner directement en appuyant sur ce bouton ici. Le régulateur et limiteur de vitesse.
la commande vocale qui va vous permettre de commander directement l'écran tactile sans toucher l'écran, la commutation automatique des feux de code en feu de route, et on peut également programmer la charge. Donc vous branchez le véhicule à la maison, et si vous préférez que le véhicule soit chargé entre midi et 15h, vous pouvez programmer la charge en fonction de vos horaires. La nouvelle Zoé se recharge de partout et très facilement. À la maison, sur une prise classique ou sur les bornes publiques à l'extérieur. Grâce à son chargeur Caméléon, la nouvelle Zoé s'adaptera à toutes les bornes publiques à l'extérieur. Pour aller plus loin, vous pouvez prendre l'option d'essai combo qui vous permettra d'utiliser certaines bornes plus rapides et de recharger 150 km en une demi-heure. Cette vidéo est déjà terminée, j'ai été ravie de passer ces quelques minutes avec vous. Si des fois vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Je vous dis à très bientôt dans les concessions Renault du groupe Bernard. Au revoir.